Salut à tous et bienvenue pour le 22e épisode de Comme Dev Tycoon. Donc voilà, bon visionnage. Ok. Ouais, donc ils sont pas encore totalement intégrés là, Nick Brash et je sais pas qui. Ok, une peine de 40K, c'est vraiment rien. J'ai envie de faire des trucs recherchés. Trame de fond riche. Rechercher. Lecture de vidéo. Toi, tu vas rechercher ça. Et vous deux, vous allez faire des petits travaux sous contrat. Genre ça c'est facile. Dépêchez-vous, là, sérieux, c'est pas compliqué. Ok, oui, ils sont vraiment pas du tout intégrés, ils font que de la merde. Non mais allez, qu'est-ce que vous faites là? Patron, il semble que pas mal de joueurs utilisent une copie illégale de Vulture Dog. J'ai réussi à identifier quelques-uns. Nous pouvons soit les poursuivre en justice pour défendre notre copyright ou tout simplement les avertir. On va les avertir. On va pas être si chiant que ça. Bon, eux, on va leur accorder des congés, ils ont l'air d'être crevés. Elle, on va peut-être pas lui accorder un congé pour ça, quoique. Tant pis. Offre d'édition, pas encore. Un travail sous contrat, ça c'est facile. AX Games a récemment envoyé des avertissements à plusieurs joueurs utilisant des copies illégales de jeux. Certaines sociétés investissent beaucoup d'argent et d'efforts pour lutter contre le piratage, tandis que d'autres personnes pensent qu'il est préférable d'adopter une approche plus étendue et d'investir dans de meilleurs jeux. Ouais. Et on a gagné des fans. Bon, on n'a pas gagné grand-chose, mais c'est déjà ça. On a vraiment rien gagné. Je pense qu'on aurait perdu si on les aurait poursuivis en justice et là on aurait pu en perdre pas mal. Donc bon. Pas une si mauvaise chose que ça. Ensuite, site web, je sais pas si on réussirait. Ça par contre c'est facile. Et ouais, après je vais. Hop, je vais faire un autre travail sous contrat. Une offre d'édition, pardon. Espace aventure. Ça me semble être bien ça. Gabarit du jeu grand. Piratage RPG, bof, je suis nul dans les RPG, tout sujet toujours sur l'Xbox, bof. Je vais tenter un espace aventure, 7 notes minimum, ça va. Ok, j'ai trouvé l'emplacement parfait. Ah, nickel, déménager. 8 millions! Ou j'aurais peut-être pas dû là. Ok, ah bah ça va, il me reste 16 millions. Bah ça va en fait. J'ai payé 8 millions ou. Ouais, je sais pas, je regarderai de façon la rediff, enfin le rec. Moi j'ai cru voir 8 millions. Ça me semble beaucoup quand même. Ça me semble vraiment beaucoup. Bon, de toute façon, je pense qu'ils vont me les débiter, je verrai bien ça. On va l'appeler Space. Voilà. Aventure, action. Bonne combo. Attends, si. Ah, si je l'enlève. Correct combo, et là ça fait bon combo. Bon, bah, c'est parfait. Public averti, show du moteur Engineer V3, suivant, commencer. J'ai envie d'embaucher d'autres personnes. Putain, c'est bien 8 millions, putain. Je voudrais apprendre que vous avez pris possession de vos nouveaux locaux pas très loin de notre université. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de vous rémunérer, et je pense que vous vous rendrez compte qu'en signant dans le développement de jeux vidéo, nos étudiants est un bon moyen de peaufiner vos compétences. Nouveaux entraînements disponibles, ok. Ok, bah ça va. Au niveau de l'histoire quête, c'est un jeu d'aventure, donc ça me semble être assez important quand même. Du coup, on va mettre l'histoire quête, le gameplay assez aussi. Et moteur, je vais le baisser un petit peu quand même. Au niveau du moteur, je vais mettre quelqu'un très bon en tech, Mick Brash. Au niveau du gameplay, je préférerais mettre quelqu'un, voilà, plutôt Alexio. Et histoire quête, on va dire que c'est plus du design. Même si c'est pas vraiment ça. On va mettre Beverly Land. Hop, voilà, comme ça me semble être bien. Du coup, j'ai mis quelqu'un qui est un petit peu beau en deux. Waouh, ce nouveau bureau est incroyable et en plus il est parfaitement situé. J'ai fait une balade autour du bâtiment récemment, j'ai eu une idée révolutionnaire. Pourquoi ne pas ouvrir notre propre département de recherche et développement? Et ben voilà. Et ben, comment on fait pour ouvrir un laboratoire? Formé, spécialiste en design, spécialiste en technologie. Bah après je vais faire tout ça.
Bon, je sais pas comment on fait pour en ouvrir, mais bon. Après, de toute façon, je vais... Est-ce qu'on peut pas? Non. Je vais essayer de les spécialiser. Oups, voilà. Il s'est vendu à peine 3 millions. Ah, il a vendu 4 millions. C'est pas terrible, terrible quand même. Un peu déçu de Virtual Dog. Accepter Space. Est-ce qu'on prend le risque? Je le sens bien au niveau des points. Quoique, je sens pas trop en fait. Bon, je prends le risque. De toute façon, faut en prendre. Alors, au niveau des dialogues, je vais le baisser un petit peu. Quoique, c'est un jeu d'aventure, donc je vais le mettre comme ça. Design du niveau, c'est pareil, je vais le laisser. Intelligence artificielle, je vais le baisser un peu quand même. Ça me semble être bien. Intelligence artificielle, c'est de la tech, mais bon, je vais... Oups. Quoique, non, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui est très bon en tech. Par contre, les dialogues, c'est un peu les deux, je pense. Donc, je vais plus mettre elle. Et design du niveau, c'est bien Sarah Long. Donc, ça me semble être bien. Hop. Du matos d'avocat, je suis sûr que vous entendez. Mais si vous avez besoin d'enregistrer au fin de mois, j'ai quelques gros boulots qui auraient besoin. Ok. Les gros contrats ont été débloqués. Parfait. Parfait, parfait. Bah, je vais embaucher du monde. Franchement, tu sais quoi. On va faire un algorithme complexe. Et puis après, je vais rechercher des mots de jeu. Là. Enfin. Quelqu'un plus niveau design. Et ça devrait être pas mal. Au niveau des points, c'est un petit peu radin là quand même. Il devrait se dépêcher un peu plus. Design du monde, c'est... Oula, ça va être chaud, j'ai vraiment besoin d'autres personnes là. Ouais, design du monde, je vais laisser comme c'est, je vais baisser un petit peu histoire de pas trop la surcharger. De l'autre côté, je peux pas la baisser beaucoup plus. Et au niveau des sons, apparemment, c'est pas trop important. Donc, je vais laisser comme c'est. Ok. Ouais, elle est vraiment hyper occupée. Si je mets Alexio, c'est déjà un peu mieux. Bon, bah, je vais mettre Alexio. J'ai vraiment besoin d'autres personnes là. Multiplateforme, ça va être bien. Alors, ouh putain, 600 technologies, ça va être bien. Bah, je vais tout virer, j'ai envie de tout virer et de rembaucher du monde, mais bon, ça risque d'être chaud. 748 de technologies, putain. Dans Travel Wins. Recherche 489 et bas. Putain. Ok, parfait. Ok, j'ai plus beaucoup de sous, je vais éviter d'embaucher quelqu'un tout de suite. Elle, on va attendre qu'elle finisse le jeu et je vais lui accorder un congé. Bon, là, elle est en train de décéder, clairement. On va lui accorder un congé maintenant et lui, je vais lui faire une formation aux nouveaux arrivants. Au niveau des points, ouais, c'est moyen quoi. Pas terrible, terrible. C'est vraiment le minimum. Je le sens pas terrible, terrible ce jeu, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un record en rien du tout. Ok, publié. Ok. Graphisme en 3D V3, ça va être intéressant. 1,5 million. Je commence à avoir plus beaucoup de sous, donc je vais prendre même un petit stand en fait. Tant pis si je suis pas premier, de toute façon ça sert à rien. Aïe 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 aïe. Je devais avoir 7 je crois, bon là c'est mort. Me dis pas que je vais aller dans le rouge quand même, non. 7, un petit 8 histoire de remonter. Un petit 8 c'est parfait. Encore un 7 ou un 8. Pas de 6, pas de 6, pas de 6, pas de 6, pas de 6. 7. J'ai le minimum. Donc ça passe. Et donc voilà, on va se laisser sur cette note assez moyenne. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode, dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Donc voilà, salut tout le monde.